j'en ai marre. Pourquoi tu mets jamais une barrette? Parce que même en vidéo, t'es tout le temps en train de te les... Mais parce que la barrette, ça fait pas joli, ça me plaque tout. Et puis, j'aime bien jouer avec mes cheveux. Après, j'ai un souci avec mes... J'ai un souci. Yahoo, Yvancha, j'espère que tu vas bien. J'espère surtout que tu... J'ai vu ton reflet. Yahoo, Yvancha, j'espère que tu vas bien. J'espère surtout que ta journée s'est bien passée. Aujourd'hui, on se retrouve une fois de plus avec une petite renarde qui est du nom de Kurama. Donc la chaîne, c'est Les Chroniques de Kurama. Bien entendu, ces liens seront en barre d'infos. Et cette petite renarde rusée est venue avec une poche de cadeaux, enfin un sac de cadeaux, voilà. Et donc on s'est dit que c'était plus simple que je l'ouvre avec elle plutôt que de faire ça tout seul. Donc c'est parti. Oh, oh. D'accord. Elle m'a déjà piégée parce que là ça, voilà. C'est trop mignon. Little Estra, c'est quoi ça? Hein? C'est quoi Little Estra? C'est une petite boutique en face sur Paris où t'as genre des bonbons, des décos, t'as plein de trucs. Et là pour moi, ils ont plein de petits trucs. Et je trouvais super sympa en fait l'idée des boîtes comme ça. D'accord. Waouh, j'aurais pas dû voir. Bon, j'ai pas tout vu donc j'ai aperçu juste surtout ça. Waouh, trop mignon. C'est quoi une carrière? Ouais, non, pour tes voyages. Attends, je sais plus si l'on l'a vu ou non. Oh, on s'en fout du prix. Non, mais j'aime pas quand ça y est. Je sais qu'ils m'ont mis directement les trucs et. Je pense qu'on voit si on chouette des hommes à la maison. Avec sa petite branche, je trouvais qu'il était trop chou. Mais moi, tu vois, elle était comme ça, Pandy. Avec une branche, mais dans l'autre sens. Mais c'est pour ça que quand tu m'en as parlé, je fais ah. La petite tillerie, ça me vient. Surtout, je pensais que ça avec tes voyages et tout. Je me suis dit, les tilleries. Ça, c'était pour ton manucule. D'accord. Avec deux. Oui. Ça va, t'as été sage alors. Ça, c'est celui de Noël. Ah. Non. Oh, trop bien. C'est la même branche en plus, ouais, c'est la même collection, quoi, presque. Ouais, ça fait. J'ai peur de la faire tomber. Un petit panda de Noël. Oh, trop mignon. Mais je trouvais que c'était... Mais ça, tu vois, c'était leur collection de Noël. C'est trop beau. Oh, l'autre, il est carrément à l'envers. Hii. Ça, c'est moi, en fait, le matin. Attends, je vérifie si là aussi, ils ont... Parce que les gens, ils ont vraiment un problème avec ça. Et c'est vrai que... Après, tu me diras, c'est juste les codes-barres. Ils ont pas laissé les prix, mais... Je sais que c'est embêtant. Hein. Oh, moi, je les enlève jamais, les codes, les trucs comme ça. Je laisse dessous. Ouais. Vu que c'est dessous, on les voit pas. Tiens, ça galère, ça va pas. L'autre, j'ai réussi, mais celui-là, ça va pas. Ben merci beaucoup. Bah de rien. Je crois qu'il y a eu quand même une bonne attaque de bisous. J'espère que ton chéri n'est pas jaloux que je... Désolée, là c'est quand même, hein, je peux te pardonner, c'est des cadeaux. Mon chéri, sois pas jaloux, je sais que t'aimes les pandas, mais t'en fais pas, je vais me rattraper. C'est vrai. Et ma petite Marinette, sois pas jalouse non plus. Parce que dans ses contacts, elle a trois accros au panda quand même. Ah, ouais. C'est ça. Bah, ma meilleure amie, mon chéri et toi. Attends, c'est du Tetris le truc. Vas-y. Alors. Ouais, je vais essayer de. Ouais. On dit pas que ça passe très mal avec toi. Et voilà. Bonne femme. Une produit Tetris. Bon, bah la vidéo est déjà terminée. On espère quand même qu'elle vous aura plu. Elle aura fait 5 minutes. Bon, c'est déjà... Autant qu'à lui, en tout cas. Bah oui. Moi, oui, voilà. J'espère que ça vous aura plu. Autant que moi, ça m'a plu parce que moi, je suis joie. Maintenant, c'est juste le truc que, avec deux filles à voir à Paris. Je me retrouve avec un truc. Ça, c'est elle parce que c'est pour mettre son carton. T'imagines? Eh bah écoute, va te plaindre. En fait, il y a des mecs qui ont pas autant d'attention. Hein. C'est limite, j'ai l'impression que tu te venges jusque du piège de midi, tu vois. Ouais, quand je vois le... Mais totalement, mais c'est pour ça, j'ai fait, vas-y, tu gagnes une bataille. S'il faut savoir que du coup, on est allé au restaurant à midi, un restaurant à Jap, et je lui ai fait le coup de je vais faire pipi, je vais payer, et j'ai fait pipi aussi quand même. Mais et vu que je suis quelqu'un de naïf et gentil, je m'y attendais pas. Hein? T'aurais dû me méfier parce que j'avais le porte-monnaie. Mais oui, mais tu t'as un bracelet, moi je capte pas moi. Mais oui, non, elle m'a fait ce coup-là. Surtout qu'en plus, moi j'aime pas quand on paye à ma place. Ça me gêne après. Mais non.
voilà, on espère que la vidéo vous aura plu. Je vous invite bien entendu à aller la rejoindre parce que comme je l'ai dit lors de la précédente vidéo, on va se revoir et elle va reprendre surtout YouTube. Oui, il serait temps. Et la prochaine fois, par contre, on va filmer un peu plus de vidéos. Youps. Je t'avais dit de me taper quand je blablatais trop. C'est pas grave. Voilà, bye. Bye.